Ça va, il est très très bien, toi. Personnellement, et bon, vous saluer et se présenter. Doc. Et M. Claventa, que j'ai déjà rencontré une fois, je suis venu pour préparer cette visite depuis longtemps. Il y a eu 4 abonnements pour des raisons diverses, sanitaires, commercial, stratégique, etc. Mais l'important, c'est qu'on se retrouve enfin dans cette auguste maison connue dans le monde entier et le reste, vous allez l'apprendre. Utile parfois pour les journalistes parce que les patrons, il y a des choses qu'ils gardent pour eux et qu'ils ne veulent pas dire dans les médias. On va tout vous dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre venue chez nous. Merci à toutes ces femmes et ces hommes qui sont sur le terrain, qui nous permettent d'avoir une information fiable, une information qui est hyper importante dans un monde aujourd'hui où on a parfois la mauvaise information, la fake news, mais n'est-ce pas, qui parfois prend plus de place que d'autres choses. Donc, un premier remerciement pour votre travail, qui n'est pas un travail simple, qui a été un travail qui vous pousse, et je pense que c'est des choses qui vous parlent à toutes et à tous, être loin de vos familles, à être dans des pays différents, à parler des langues différentes, être présente dans les territoires. Je pense que vous avez énormément entendu cela. Il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que les grandes villes au monde. CMM a réussi l'équation d'être très présente à l'international, et les derniers que j'espère chantier au lit vont nous permettre de reconfirmer encore une excellence qui, à mon avis, n'est plus à confirmer. Être présente dans les territoires et être en même temps présente au niveau international. Et ça, c'est une équation que je tiens à le dire en ta présence, que rares ce sont les entreprises au monde qui sont restées bien, bien proches. Il n'y a pas une association, il n'y a pas une famille chez moi, ici, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas travaillé au CMM, qui n'ont pas un cousin, un ami, un voisin qui n'a pas travaillé au CMM. On est très attachés à cette entreprise. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis avec vous ce soir, pour reconfirmer qu'on peut être local, on peut être authentique et on peut porter un savoir industriel mondial. Voilà ce que je voulais dire, et après, je pense qu'on aura le temps d'échanger sur plein d'autres points. Merci. Bien, merci. Moi, je vais être bref. D'abord, merci pour ce que vous avez dit tous les deux. Et effectivement, c'est précédemment, je travaillais dans un grand groupe qui s'appelle Engie. Vous avez entendu parler de l'énergie, donc il m'a amené aussi à voyager à l'international. Et Engie, ça a été 150 000 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on est connu beaucoup pour la construction de nos bateaux, de nos navires, de nos intercepteurs, et différents types de bateaux, y compris des yachts, on verra tout ça demain, encore une fois. On est moins connu sur certains aspects que soulignait notre députée, Sonia Crimi, sur notre implication dans le territoire, sur cet aspect RSE, donc de responsabilité sociétale de l'entreprise, sur laquelle on a mené beaucoup d'actions ces dernières années, notamment pendant la période Covid, pour soutenir les hôpitaux, pour soutenir le corps médical notamment. Et encore une fois, bienvenue chez nous ce soir, et puis on vous expliquera tout ça en détail demain. Alors, on commencera par une petite présentation en salle, mais pas trop longtemps, parce que si vous êtes là, c'est pour voir des choses. Donc vous aurez l'occasion de visiter les nefs dans lesquelles nous construisons les bateaux, vous verrez différents types de bateaux. Et si vous êtes sage l'après-midi, vous aurez le droit de faire un tour en mer sur un châssis, donc un esprit d'interceptor, que vous voyez ici en photo, et qui est un intercepteur qui est notre produit phare en ce moment,
et qui file presque à 100 km/h sur l'eau. Ouais, c'est très impressionnant de voir comment on peut être à 100 km/h sur l'eau et ne pas se rendre compte de la vitesse tellement le bateau est confortable. Voilà. Bienvenue encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée en notre compagnie et puis on échangera bien sûr pendant le repas sur tous les sujets que vous souhaitez aborder. Ah, parce qu'on est chez lui. Quel honneur. Vous donnerez des commentaires plus tard, des choses qui concernent le monde. J'espère que ça vous plaira. C'est un modeste cadeau de la PE. J'espère que vous vous en souviendrez et que ça marquera une amitié et une autre coopération entre nous. Madame le Butel, merci d'avoir accepté notre invitation. La première chose qu'on peut demander à tous les députés, quel rôle vous estimez pour vous ici en France? Merci pour cette question. Mon rôle est de porter la voix des gens qui n'ont pas de voix. Comme on est 577 députés, on est partagé partout en France. Chaque député a à peu près 120 000 habitants. Ce que je m'efforce à faire, c'est d'essayer au maximum d'être bienveillante, essayer de regrouper des sujets importants, parce que dans ma circonscription, j'ai le naval, j'ai l'énergie, j'ai le nucléaire, j'ai des maraîchers, j'ai des cités, j'ai des REP, des ZUP, les anciennes ZUP. J'ai des problèmes d'élevage, donc tout ça, ça nécessite une capacité intellectuelle déjà de comprendre cela, être à l'écoute des gens, essayer au maximum d'être la plus représentative possible de ma circonscription à Paris. On parle d'une semaine avant des élections. Oui. Je sais de quel parti vous êtes, mais comment vous voyez l'avenir de la France? Alors, je vois l'avenir de la France qui s'inscrit dans l'avenir de l'Europe, qui s'inscrit dans l'avenir du monde. On fait partie d'une génération qui a envie de vivre mieux, qui n'a pas envie de guerre. Mes grands-parents ont connu la guerre. Moi, mon grand-père est un tirailleur tunisien. J'ai moi-même participé un petit peu, en tout cas mon grand-père a participé un petit peu à la Deuxième Guerre mondiale. Il était tirailleur tunisien. Il était dans les prisons allemandes pendant 3 ans. Donc cette liberté européenne, j'en ai contribué d'une manière et d'une autre. Ma génération à moi, je sais, je vais parler de ma génération, je ne vais pas parler, voilà. Ma génération à moi, elle a envie d'une planète propre, c'est pour ça que l'écologie, c'est la première des règles. Elle comprend qu'il n'y a pas que des gens gentils sur cette terre, donc il faut avoir des armées fortes pour avoir des économies fortes. C'est un peu bizarre, hein. Regardez, toutes les économies fortes, elles savent se protéger, et c'est pour ça que je soutiens, par exemple, vous me trouvez dans des rendez-vous avec les CMN ou autres, parce que je crois énormément à ça, je ne vais pas le répéter. Si on veut la paix, il faut préparer toujours la guerre.
sont manuelles, qui sont prédites, qui sont précises à l'intérieur des bateaux. Donc là, vous êtes à bord du HSI 32, le cœur névralgique du bateau, avec la machine qui sera en bas. Sur la gauche, là, ici, vous avez la console canon du 20 mm Nexter. Sur la partie droite, siège commandant et partie communication pour le bateau. En face, à droite du pilote, vous avez la partie navigation. Vous avez le pilote et le commandant, qui est Benjamin Rossignol. Enchanté. C'est vous le pilote. Gauche, oui. Vous avez la partie damage control, toute la partie sécurité du bateau qui arrive sur les écrans avec l'extinction incendie, les alarmes moteurs, les caisses journalières de gasoil, l'eau, voilà. Alors, ce qui est génial dans ces bateaux, c'est que d'un point de vue opérationnel, ils sont, je crois, à 12. Mais honnêtement, pour appareiller, 3 personnes, on appareille en un quart d'heure. À part le conducteur, vous, ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour les autres? Il faut un mécanicien et un matelot. Et à ailleurs, on appareille. On s'est dit qu'on pilote ça à distance. Alors, c'est ce qu'on a fait à Riyad. Ouais. C'est beau ça. Ouais. C'est ce qu'on a dit. C'était à 5000 km. Ouais. Et on l'a piloté sur un ordinateur. Vous étiez des suisses. Moi, j'étais à Riyad. Vous étiez à Riyad. C'est moi qui ai piloté à Riyad. Avec toute une équipe. Quoi. Et donc, on a réussi à le faire. Ça, c'est génial. Ça permet d'emmener des hommes, ça permet d'emmener le navire en combat sans mettre des vies humaines à bord. Vous aviez les images à Riyad? Alors on avait retour, j'avais ces écrans là, et alors j'avais pas les manettes comme ça, hein. c'était un ordinateur, mais j'avais donc toutes les données moteurs et ces deux écrans là et les caméras. Ok, on va monter la vitesse. Au revoir. Accrochez-vous. un petit peu les vagues, là on prend un beau virage, voilà, on va faire un demi-tour, mais voilà, il faut avoir le pied marin pour aller sur un bateau, cher ami. Bon, donc on va refaire un tour à... C'est drôle parce qu'on s'habitue à tout. C'est la première fois que j'ai fait un HSI, ça m'est réalisé. Alors, sur la droite, vous avez les radios normales de navigation type plaisance et aussi militaire, où on veille le 16 constamment pour pouvoir intercepter tous les messages d'autres bateaux qui sont en navigation. Aujourd'hui, on est sur un... Vous êtes des codes avec des codes? On est en contact constamment avec la marine et les Coast Guard. Hein. C'est exactement la même chose. On a deux cabines de 4, deux cabines de 2, pas une cabine de 2. Les climatisations, forcément dans ces cabines. La partie des pavois, la construction, on voit du début à la fin
début du bateau, à la fin de construction du bateau, sur la construction. On vit le bateau du début à la fin, en fait, sur la permanence, sur la construction du bateau permanent. Donc en fait, tout ce qui est aménageable, qui va être sur le fond des tôles, les hélices, les petits ponts, l'organisation, la sécurité, tout ce qui est environnement, on a une vie permanente sur le bateau, du début à la fin de construction. Une fois que le bateau est sorti de la nef à vue, il repart du côté Brod. Et là, nous montrons également la partie type timonerie également. Et sur cette timonerie, pareil, nous vivons du début à la fin avec la peinture, jusqu'à la finition des moteurs et des essais en mer également. Nous vivons sur le bateau de permanence sur la construction. Le matin, on vole en 2 vitres, 3 vitres également. Et planifié aussi avec les cubes et la prod également, de façon tout ce qui est aménageable sur les plans. Ça évite tout le son de l'air, il n'y a rien. Ah oui. Et le marquage est fait, c'est moi qui veux pas. Il n'y a plus ce qu'on appelle la même stabilité. Très important sur un bateau, c'est que vous rajoutez du poids en haut du bateau. Donc il va pouvoir se renverser facilement. Quand on vend un bateau, le bateau est forcément essayé. Tout d'abord par nos équipes. Ensuite, il est essayé par les équipages de la marine client, puisque nous avons formé ces équipages au pilotage du bateau. Nous avons formé également les équipes de maintenance pour maintenir ce bateau. Donc on déroule ensemble les essais qui démontrent que le bateau remplit bien toutes les performances que nous avions dans le contrat. Sinon, le bateau n'est pas réceptionné. Et ça se prend déjà pour les drones aériens, hein. Des drones à distance, il y a aussi des pirates informatiques. Mmh. Voilà, qui pourraient rentrer dans le système et puis à la limite détourner le bateau et le faire se retourner contre vous. Exactement. Mais ça, c'est des problèmes de sécurité informatique, de cryptage, tout ça. Voilà. Mais en Libye, ils ont fait pour les avions de Kadhafi. Bye. C'est une bonne méthode. Mais les systèmes de protection, c'est un vrai sujet. Et ça bouge tous les jours. Hein. Tous les jours. Donc vous allez voir une vidéo très courte de notre projet de démonstration d'hydrolienne marine en Bretagne, et ainsi que des premières images ou des commentaires de notre projet qu'on développe actuellement, qui est un projet pilote d'hydrolienne marine au Ras-Blanchard en Normandie. Et en fait, les hydroliennes marines sont capables de produire de l'électricité à partir des courants marins. Deux ans d'essai, donc même après 2 ans de test, la machine fonctionne très bien. En conditions réelles, on démontré la robustesse et la performance de la technologie d'Orbest, avec en particulier la certification de la courbe de performance par le bureau de la tête. Et puis, on travaille également sur les énergies marines renouvelables.
la maquette de la sculpture, d'ailleurs, vous l'avez dans le hall. Elle est sur une des plages du débarquement, c'est à Omaha Beach. Très visible. Ouais, la partie service, on en parle un petit peu, mais on y reviendra. Ouais. Et puis après, ce qu'on appelle la solution intégrée. On vous a mis dans les pochettes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fiches produits pour tous les bateaux qui sont là. On ne va pas rentrer dans le détail, il faut tenir, comme on l'a dit, fait de l'intercepteur à la corvette. On peut faire également des barques de débarquement, on en a une en construction, et c'est le principe des ferries avec un roll-on, roll-off. Donc on peut transporter soit des troupes, soit des chars, des jeeps, du matériel, soit s'en servir pour des réserves d'eau, des missions humanitaires, etc. Qui choisit les noms de vos navires, vous ou le client ? Nous. Ah, c'est le nom, c'est les noms. C'est comme Renault Peugeot, quoi. Ouais, Renault Peugeot. Les marques ou les noms, les des unités. Ouais. Okay. Navire civil, navire de pêche, donc palangrier, chalutier. On a réalisé aussi deux docks flottants pour l'entretien de bateaux. Vous parliez tout à l'heure de la maintenance des bateaux, par exemple, on voit aussi les équipements pour faire la maintenance des bateaux. Et puis on a des porte-avions ou pas ? Comment ? Des porte-avions, non ? Non. Non, trop gros pour nous. On fait des porte-hélicoptères, mais pas avions. Pas avions. Okay. Différents projets de navires de travail ou de transport. Donc là, la structure des bras. Ici, vous avez un bloc cheminé pour les chantiers d'Atlantique, réalisé en aluminium. C'était des blocs de 60 tonnes, je crois, d'aluminium. Et là, les chantiers d'Atlantique nous avaient demandé de faire les études. On a fait les calculs de vibration, on a fait les études, la préparation, les approvisionnements. On a livré une pièce clé en main. Et on a fait le montage avant. Les hydroliennes, on en reparle tout à l'heure, on a une présentation spécifique dessus. Oui. On a fait le prototype. Voilà, et les services, alors c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, donc le soutien logistique intégré, ça va être toute la documentation, les premières dotations de pièces de rechange, comment on fait la maintenance, on appelle le livre et navire, etc. Vous aurez une mer plus calme, je vous rassure. Ça, c'est les écrans qu'on avait sur le salon. Pour voir qu'il était bon. Il y a un hélicoptère qui filmait en direct et qui nous renvoyait des vidéos. Combien de l'équipage sur l'interrupteur ? C'est 14, c'est ça ? Comment ? Là, il y a des personnes. Personne à bord, vous voyez le caméra. Il n'y a pas de trucage. Il n'y a pas très vite sur ce bateau. Le groupe a livré des bateaux à 42 marées, 3500 unités livrées dans le monde depuis 1900, 150 années d'expérience cumulée. 3 chantiers et un site de soutien logistique intégré, c'est la société Sherwood. 1200 salariés et la plus grande entreprise privée de construction navale. Au plus grand, à plus de 100 mètres, on fait des frégates de plus de 100 mètres de long. Ici, vous avez des frégates algériennes qui ont été livrées par le chantier de Kiev. Les HSI 32, 32 mètres, sur lesquels vous avez navigué tout à l'heure. Ici, vous avez le Benouna, 71 mètres, que nous avons livré aux Émirats Arabes Unis. Comment il s'appelle, ça ? Comment il s'appelle ? Benouna. Benouna. La classe Benouna. Donc le chantier CML, aujourd'hui 426 salariés, 350 unités livrées depuis 1948, 75 ans d'expérience, 38 marines que nous avons livrées, plus un nombre d'armateurs civils.
Ici, vous avez la liste des pays. On a livré en Australie, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique. On a livré également aux États-Unis pour des clients américains, à la fois des sculptures et puis des yachts. Voilà. Les ressources humaines. Voilà. On en a parlé un petit peu hier, hein. On a un peu plus de 400. On accueille beaucoup de stagiaires et des alternants. Sur les alternants, on est très restrictif et puis exigeant parce qu'on embauche généralement à peu près 50%. Combien ? 50% des alternants. C'est-à-dire ceux qui font leurs études, ils font moitié études, moitié entreprise. C'est très bien. Et la différence homme-femme, elle est imposée par la nature du travail ou il y a d'autres raisons. On essaye de beaucoup travailler là-dessus. Mais, vous voyez, déjà, on a une directrice technique dans un chantier naval, quand même. Oui, hein, bien sûr. Voilà, donc c'est notre symbole. Ce qu'il y a, c'est qu'on est sur des métiers techniques, beaucoup sur le travail des métaux. Et c'est des métiers qui n'étaient pas très attirants pour les femmes et qui de plus étaient, et sont encore un petit peu pénibles, mais étaient particulièrement pénibles et demandaient de la force physique. C'est en train petit à petit de s'améliorer, parce que quand vous regardez aujourd'hui dans les sorties, par exemple, si je prends les écoles d'ingénieurs, ben maintenant vous commencez à avoir des femmes. Mais il y a 15 ans ou 20 ans, quand il y avait une femme dans une promo d'ingénieur, c'était l'exception. En fait, je suis directrice technique, donc la direction technique, en fait, c'est l'ingénierie. Donc c'est réparti entre quatre groupes, on va dire. Donc il y a le service architecture navale, le bureau d'études, le département système et tout ce qui est R&D innovation. Donc on va les décrire à la suite les uns les autres. Donc la première étape, c'est le service architecture navale. Donc tout d'abord, déjà on est en relation étroite avec le service commercial parce que en fait c'est les clients qui nous guident aussi vers les choix d'architecture. Donc soit on part d'une page blanche, soit on part d'un bateau déjà construit, déjà designé, qu'on peut faire évoluer. Donc les premières étapes, c'est d'abord le cahier des charges client. Après on prend en compte tout ce qui est réglementation, parce que tous les navires qui sont construits à CMN et dans les autres chantiers sont soumis à des réglementations par rapport... des réglementations pour la sécurité des personnes à bord, contre la pollution, des choses comme ça. Donc on doit suivre des réglementations qui sont adaptées au type de navire. Donc une fois qu'on a tout ce cahier des charges, la réglementation à appliquer, on commence par ce qu'on appelle un devis-mast, c'est-à-dire qu'on prend en compte tous les équipements qu'on va devoir monter à bord. On regarde ce que ça donne, donc ça nous permet de déterminer le poids du navire, sa longueur, etc. Et on fait différents types de calculs, donc des calculs de stabilité, etc., pour à la fin nous permettre de calculer les performances du navire, c'est-à-dire performance, c'est sa vitesse et son autonomie principalement. Et tous ces outils-là nous aident à optimiser l'espace dans les coques qui sont disponibles dans les coques. Quand on fait des navires rapides et légers, pour être rapide, il faut une grosse installation de puissance dans un volume relativement réduit.